Oui. Tu fais quoi? Il prend de la hauteur. Peut-être qu'il y a des ennemis, on ne sait jamais. En apesanteur! Putain, allez, non, non. Allez, allez, allez! La physique de jeu est quand même magique. Hein. En fait, vu que nous on ne conduit pas, on a l'impression que la voiture elle est faite en. Oh, en air. Mais c'est un ballon la voiture. Bah, à mon avis. Pour pouvoir jouer à Fallout Tactics, ça va être bien. Mais ce camion il volait. Il roulait dans la rivière. Non. Au-dessus de la rivière. Non. Non. Non, Kevlar, non. Si tu arrêtes. Non, Kevlar. Moi je sors de ce camion. Une vidéo, je n'ai pas vu. Moi je sais pas ce qui se passe dans ce camion, mais j'en sors. Oh putain, elle est tellement bonne. Je crois que c'est le monoxyde de carbone qui commence à monter à la tête. Bon, allez, roule vite. Ouais. Alors voilà, on voit clairement qu'on est sur un jeu Ubisoft. Je veux dire, on a joué à Battlefield avec Siri pendant une semaine, on n'a rien vu de tout ça. Pourtant, Yay Games, bon, c'est connu pour avoir une physique bizarre aussi, mais là. Le truc qui fait marrer, c'est que je lui tire dessus une balle et en fait, c'est comme s'il avait sursauté en voiture, ça fait aucun sens. À fond. Il a eu peur. Le drift. Putain, mec, ce style. Oh là là. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Kevlar? Il a une chasse fulgurante, je pense. Je pense qu'on est pas loin de la chasse fulgurante, ouais. Cyril! Oui. Ah! Il faut sortir Kevlar de là avant que le véhicule explose! Kevlar va te sauver! Voilà, c'est bon. J'ai sauvé Kevlar. Ah! Ouais? Ça va le passer apparemment. Non, 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 tracasse, t'as pas besoin sur Alt F10, pas du tout, pas du tout. De quoi? Ta Vérine vient de te sauter dessus? Ouais. Elle veut de l'amour. Explosion nucléaire là, encore à 1000 km. Vous avez vu le Fat Man? En fait, ça a été développé en Bolivie, les gars. En fait, quand t'es en hélico, tu vois tous les petits sites d'entraînement. Ah, c'est du beau matos, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, tu revois ça au lac pour pêcher, quoi, je veux dire, voilà. Au lac bar. Oh, ça, c'est doublement. What? Et c'est quoi ce mec Kevlar? Alors, au lac bar. Attends, surtout. Au lac bar, ouais. Voilà. Mais. Ah, t'étais chauffeur. T'as failli nous faire arrêter sur un chemin de fer. Le truc cliché, là, tu vois. Alors à chaque sortie de route de Kevlar, voilà la blague, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok Kevlar. Comme le OK Google. Okay. Alors c'est con parce que je venais juste de reprendre le volant. Du coup, mais non, envie. Mais non, arrête ça. IEM quand même. L'hélico il se passe quoi? L'hélico il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il s'envole? Mais non, il va être. Oh, il va être cassé. Il va bien y avoir d'autres quoi? J'ai pas compris. J'ai pas vu beaucoup. J'ai juste vu que quand j'ai fait le IEM, le mec rentrait dans l'hélico et que l'hélico a fait un backflip. Excuse-moi, je ne t'en ai pas envie. Écoute, là, j'essaie juste de boycotter notre ami Kevlar dans une course-poursuite effrénée. J'essaie de me mettre dans la peau d'un joueur de Euro Truck Simulator en Bolivie. Mais je peux t'assurer que c'est pas facile, hein, surtout quand t'as des connards qui te harcèlent. Mais colle ta droite, connard! Putain, colle ta droite! Oh, oui, j'ai réussi! Oh, oui. Non! Si proche du but, je peux encore peut-être m'en sortir. Il m'a raté, c'est bon, c'est l'opportunité d'une vie. Non, attends, Kev, attends, moi, la voiture brûle. Oh, c'est rire. Oh putain, c'était pas du tout volontaire. J'avais pas du tout vu que tu passais dans la zone, quoi. Désolé. T'en as mis du temps.
Ah, c'était beau. Surtout quand t'as trop. Allez, j'ouvre la porte comme ça, j'ouvre la porte comme ça. Ça a marché ? Oui ! Ça a marché ! Non. Attention, Kevlar ! Non ! Oh putain ! Cyril aime vraiment le risque. Hein. Oh oui ! Bon bah, ah, qu'il y a personne pour défendre. Bah, si, y'en a, mais ils ne savent pas qu'on est là en fait. Non, sérieux ? Je jure. Ah ! Kevlar, on peut dire que tu as beaucoup de chance dans la vie. C'est moi qui pilote. Hein ? Non, mais j'ai fait exprès de mettre là parce que je me suis dit que ça part, ça puait avec votre camion en haut. Oh, oh, oh mon dieu, oh my god, oh Trix, Trix Power. Oh, attention, ok, Trix Power. T'inquiète, c'est tellement toi qui as raison là. Et un hélico en haut. Non, Cyril. Oh. Putain, c'est mieux que Trials Evolution. Enfoiré, ces panneaux ne tiendront pas. Freine, putain, je suis pas. RIP, comme on dit dans le milieu. Alors, bonjour, c'est un rocher. Mon visage. Yes, okay. Bonjour. C'est quoi, Kev, t'as peur de te faire mal? Aïe. Attends. J'ai une strat. Regarde. Je soigne, je saute. Mais là, j'ai. Oh, je me suis empalé sur les. J'avoue, c'était quand même dégueulasse. Oh, oh, on dirait un peu comme dans un certain jeu de Naughty Dog. Ah, les gars, vous voulez voir une chandelle maudite? Oui. Allez, venez me rejoindre alors. Une chandelle maudite. Parce que, après les lampadaires qui traversent les autoroutes sur The Crew, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Genre dans un échange. C'est Santa Blanca. La Santa Muerte. Ah ouais. Pas mal, hein. Oh. Oui, d'ailleurs, les... Bravo, Kem. On parlera pas de... J'ai de la queue de l'hélico qui est tombée comme, comme le vieux corps d'une mouche, tu sais. J'ai voulu tester. Et en fait, faut savoir que quand on effleure l'hélice d'un hélicoptère... Eh ben, ça fait éclater une pièce au hasard, je pense. Et là, c'était carrément la queue. Tiens, c'est marrant, Kevlar. Je me rappelle pas te l'avoir déjà dit 36 fois de pas t'approcher. Il a peur de nous. Alors, Kevlar, ça fait quoi de mourir? De la part des 5-10. Il se barre. What? Attends. Attends, mais quoi? Je suis sorti de la carte et j'ai vu un truc qui a fait boum. Et puis ça a explosé, je vous ai tous, tous morts. Mais what? Je vais pas en parler, Kevlar. Mais si j'étais toi, je laisserais Cyril mourir. J'ai que ça qu'à dire. J'ai que ça qu'à dire. J'approuve. Non. Oh. Quelqu'un savait pas mettre la route là où j'allais? Non. Là où on va. Okay. Oh. 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 Ils se font tous les. Oh. C'est pas facile par contre. Oh, franchement, c'est chiant. Oh. Moi, le grand Kevlar Dini. Je vais vous montrer, essayez, vous prouver qu'on peut rentrer dans une base avec une moto sans se faire repérer. Peut-être. J'ai envie d'y croire. Et le baril en feu juste à côté, je sens plutôt l'accident baril, moi, personnellement. Regardez par là. Attention, ils sont quatre. It was awesome. Mec, c'est encore plus cool à voir quand t'es pas dans la moto, mon gars. On t'a vraiment vu, genre on a entendu pouf, t'as défoncé la porte, quoi. Waouh. Ouais, à mon tour. Vas-y. C'est bien. Toi, t'es trop marrant qu'avec ta tête, t'ouvres la porte.
Oh, bruh, le gros dung, la porte qui tombe, tu vois. Fais chauffer les pneus. C'est parti, mon kiki. La fête, ça y est, quand même. Herculade. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Posé, quoi, il est avec nous. Eh, bijou, je suis pas dans votre clan. Non, non. Tant qu'il est aveugle, il y a l'autre qui arrive. Non, mais pas lui. Il est pas mort. T'as fait quoi? J'ai vu péter un sec à tous ses pieds. Il s'est couché, il s'est. Et il va où? Est-ce que ça marche si je fais ça? Ça a tellement bien marché. On se fait spotter pour un hélico, je crois. Ouais, tu as vu? Oui. Il est à l'arrêt? Bah oui. Mais hein? Mais quoi? Mais il me défonce en plus! Mais il fait quoi cet hélico? Qu'est-ce qui. Je sais pas. Quel est son but?